4.0. Bonjour tout le monde, ici Sophie Bienvenue, conférencière du mouvement L'art de se choisir. Aujourd'hui, je vous présente une personne remplie de douceur, une âme complètement énergique, avec un petit air coquin dans la voix, qui saura vous émouvoir et aussi aller vous énergiser, car c'est une personne qui s'énergise quotidiennement dans la nature. Et je vous présente Madame Claire Chouinard. Bonjour. Ça va tout le monde? Ça va bien? Ça va très bien, Joseph. Je te remercie d'abord d'avoir accepté de faire l'entrevue avec moi. Je trouve que c'est un très beau cadeau que tu m'accordes. Et je débuterai en te demandant, tu es qui un petit peu? Explique-moi. Puis en même temps, j'aimerais ça que tu joignes dedans d'où ça vient le 10 minutes plein de sens. D'accord. C'est bon. Alors, moi, je suis... qu'est-ce que je suis présentement? Je suis une femme de 50 ans qui travaille 35 heures semaine dans le domaine du cirque. C'est assez récent dans ma vie. Ça fait 10 ans, admettons, que je travaille dans le domaine du cirque. Et en parallèle, depuis près de 2 ans, j'ai démarré une entreprise qui s'appelle Plein Sens Créativité, qui pour amener les gens à découvrir leur magnifique. Et Plein Sens Créativité, je donne des ateliers d'art, pas d'art, de création, de toutes sortes de choses. Je suis maman de 3 enfants. Le plus vieux a 17 ans, milieu 13, le jeune 11 ans. Ils sont impliqués dans des sports, ils sont actifs. Je fais partie d'un CA, de 2 CA, wow. Dans différents. Et avec Plein Sens Créativité, eh bien, je développe des petites capsules YouTube. Et ça, c'est venu parce que dans mon fort loin passé, j'ai travaillé dans le domaine de l'investigation. J'ai développé beaucoup mes sens. Alors, l'observation, le regard, qu'est-ce qu'on entend, qu'est-ce qu'on ressent. Et depuis quelques années, beaucoup plus mon intuition, mon ressenti, écouter ce que la vie veut me dire, voir les messages qu'il y a devant moi, et de l'appliquer dans ma vie. Alors, avec ces petites capsules-là, ça vient de là. Ça vient d'amener les gens à découvrir que c'est gratuit ce qu'on a. Les sens, nos sens, c'est gratuit. Perfect. Ils sont tous là pour nous tous. Ben, certains sont aveugles ou auditifs, ou en tout cas, il y a quand même des situations particulières, mais pour la majorité. Et puis, eux développent quelque chose d'encore plus puissant que nous. Complètement, parce qu'ils sont vraiment axés sur les sens qui leur restent, en fait. Exactement. Alors, amener les gens simplement, tout simplement, en se connectant avec la nature ou encore avec où ils sont, les amener à prendre ce petit 10 minutes-là pour eux, pour se reconnecter à qui ils sont et puis arriver, ben, peut-être à optimiser leur potentiel. Mm-hmm. Ben, honnêtement, j'ai adoré tes capsules, puis je vais retourner à les voir parce que je les ai pas toutes regardées, mais j'ai trouvé ça super intéressant parce que c'est quand même pas long, mais ça permet juste mais c'est tout est là, et j'ai dit, OK, elle pratique vraiment la pleine conscience, puis c'est chose que moi, ça me rejoint énormément. Et je suis certaine que ça va en rejoindre plusieurs. Là, l'autre chose que je voudrais que tu me dises, parce que tout ça, ça t'a amené vers les leaders de conscience et la Z, j'imagine. Oui, exactement. Et tu es avec les leaders depuis cette année ou cette année? Mm-hmm. Ça fait combien de temps que tu es au niveau du leader de conscience? Je me suis inscrite à la Z et je suis en contact avec les leaders de conscience. Ça a été pas mal parallèle, là, hein? Okay. En même temps dans ma vie. Et puis, ça faisait près de 10 ans, moi, que ça me trottait dans la tête de faire quelque chose, amener les gens à découvrir leur pouvoir créatif, soit par les arts. Comme je dis, je suis artiste peintre aussi en parallèle. Alors ça m'habite. Puis, d'amener les gens là. Et puis, le projet, il trottait, et la Z est venue me croiser mon chemin. Ça répondait vraiment à un besoin pour moi. Et puis, une belle façon de voir comment on peut toucher les gens et pouvoir
donner ce qu'on a envie de donner, mais sur le web, avec les nouveaux moyens, puis moi, ça me parle beaucoup. Et puis avec les leaders de conscience, à peu près en même temps. Puis le message d'être ici, dans le moment présent, ben je le pratique tous les jours, à tous les instants. Puis c'est un challenge à tous les jours, à tous les instants. Voilà. Vraiment, parce que ça nous apprend à dealer avec les choses qui arrivent sur le moment. On n'a pas le choix. On s'éveille en étant avec la nature et tout ça, à réagir, mais bien réagir, parce que nos réactions se font beaucoup plus sereines, je trouve. Puis oui, tout à fait. Axé avec notre ressenti à nous, dans ce qu'on veut et ce qu'on développe. Oui. Et puis, quand j'ai eu les enfants, j'étais en dehors du marché du travail. Puis, c'était vraiment par choix d'être à la maison avec eux. Par contre, je me suis sentie très isolée. Okay. Et là, je suis retournée au travail. Puis là, je suis à travail à 35 heures semaine. Et je me sens encore isolée. Oh, oui. Mais différemment. Parce que c'est comme, il faut que tu ailles, tu sais, de 9h à 5h, t'es pris là, t'es dans tes affaires. Puis même si ce que j'ai à faire, c'est beaucoup en contact avec les gens, je me sens encore isolée. Mais pas quand je partage les choses que j'ai à partager. Quand je suis en conférence, quand je fais les ateliers, je sens pas cet isolement-là. Ah non, je sens qu'on est sur la même plateforme, tout le monde, qu'on unit nos forces. Voilà. Parfait. Ah, c'est fun, j'adore ça. Tu me rejoins beaucoup. J'ai vraiment hâte de voir ta conférence. J'ai pas eu l'occasion encore, fait que c'est sûr que je vais être là. Et là, je vais te poser une question toute spéciale. La question que tu veux. Étant donné que tu es en connexion avec la nature, que pour toi, c'est un élément qui est très, très important, je suis certaine, puis j'avais ce feeling-là, et c'est pour moi une question pourquoi je voulais te poser ça. Tu te qualifierais dans quel élément de la nature que toi, ça te rejoint, que tes sens, tu peux pas... c'est important. Est-ce que c'est plus la terre? Est-ce que c'est l'air? Est-ce que c'est l'eau? Est-ce que c'est quoi que l'air qui la rejoint le plus au niveau de la nature? C'est l'air. C'est l'air. Oui, c'est vraiment l'air. Oui, définitivement. Et puis, comme artiste peintre, si tu verrais l'étoile... Le mouvement, ça peut pas sortir de moi. C'est comme c'est là. Même quand j'essayais de faire quelque chose, puis je travaille d'une autre manière qu'en choisissant qu'est-ce que je veux faire, puis après ça, essayant de faire, j'essayais que ça danse, que ça vente, que ça bouge. Et la peinture, c'est arrêté. C'est comme... Alors, ça, c'était vraiment un challenge, mais j'y suis arrivée avec le temps à ce que ça bouge dans le tableau, même si c'était immobile. Est-ce que tu mets beaucoup de couleurs? J'ai l'impression que tu dois être colorée, toi. Très colorée. Et le vent, c'est quelque chose qui me touche beaucoup. J'ai toujours beaucoup, beaucoup aimé le vent. OK. Donc, les tornades, tout ça, toi, là, ça t'énerve pas. Je ne comprends pas après, mais... Mais ça t'apporte pas un sentiment d'angoisse ou quelque chose comme ça? Pas du tout. Quelque chose qui va non, du tout. Même plus de libération. OK. Puis j'aime imaginer que le vent nous vient beaucoup plus loin que là, de très loin, de okay. Très, très, très loin. C'est intéressant de penser que ces molécules-là, ils nous arrivent du fond de l'univers. C'est possible aussi. Ben, mais ça, hey, c'est le fun. C'est intéressant. Puis peut-être qu'on fera une autre entrevue, mais on ira plus au niveau de tes peintures. Ça serait intéressant, ça aussi, qu'on découvre ton côté peintre. J'aimerais ça. Tout à fait. Maintenant, je vais aller avec le côté, le lien que tu trouves avec le mouvement. Quand tu t'es... Non, je reprends ça, là, je me suis... Le lien avec le mouvement, l'art de se choisir, est-ce que c'est José que tu connaissais ou si c'est par rapport que tu as vu la présentation qui a fait « OK, moi j'embarque » parce que là, tu es dans des comités, tu es dans toutes sortes de choses. Ouais. Je trouve le temps où, Claire? Je sais pas si je dors, hein, mais non, ça va. j'avais eu l'opportunité avec les leaders de conscience de faire une conférence. Okay. C'était pas la première fois que je parlais devant un groupe. J'avais, dans le cadre du travail, différents types de travail, donné plein de formations. Par contre, j'avais jamais partagé un message direct de mon cœur de cette manière-là.
Et ça m'a rendue très émotionnelle et ça m'a fait vibrer d'une façon complètement différente. De livrer un message que j'avais vraiment envie de livrer au lieu de dire ben A, B, C, D, E, F, G, ben c'est facile ça. T'sais. Des fois, j'ai la parole facile, mais de livrer un message directement du cœur, des choses que j'ai vécues et où comment apporter quelque chose à quelqu'un, c'était très différent. J'ai eu une super belle expérience. J'aurais aimé recommencer. Toute seule, c'est beaucoup plus difficile quand tu commences à t'installer puis penser à tout ce que ça implique. Alors, avec José, que j'ai rencontré à la Z, on avait eu des petits... non, pas à la Z. Je l'avais vu sur la page de la Z. Okay. Par contre, je l'ai rencontré au Leader de conscience, physiquement. Okay. Mais son idée a commencé à germer. Puis je suis allée la voir, ça m'intéresse vraiment, vraiment beaucoup. Puis je crois beaucoup à la force des associations, du groupe, des collaborations. Oui. Je pense que ça peut nous pousser tous plus haut, plus vite, je ne sais pas. Mais au moins, on ne se sent pas isolé seul. C'est beaucoup moins difficile. Puis on rencontre, on fait des rencontres tellement magnifiques. C'est ben, tellement génial. Merci d'être là. Merci à toi. Vraiment. Puis on se sent moins isolé, connecté dans notre objectif, dans le message qu'on a envie de livrer, malgré nos différences, nos différents domaines. Je pense qu'on se rejoint avec ça. Puis, bien, il y a... On est prêt à connaître vraiment des belles personnes. On peut parler. Comment, excuse-moi, je t'ai coupé. J'ai dit, il y a 7 milliards d'humains sur Terre à qui on peut parler. Oui, tout à fait. Puis, en tout cas, c'est super le fun. Puis c'est vrai qu'il y a des liens qui se créent. On apprend à connaître de belles personnes. C'est le fun. Puis d'apprendre à progresser là-dedans, on se sent vraiment propulsé en avant. En tout cas, pour moi, c'est ce que ça fait. Parce que hier, je ne m'attendais pas à faire des entrevues. Hein, puis j'adore ça. Honnêtement, j'adore ça. Et là, le lien que tu fais avec le mouvement « L'art de se choisir » versus le titre de ta conférence qui est « Tout est une question de perspective ». C'est bien ça? Oui. OK. Parce que toi, tu l'as fait avant les vacances, là. Avant l'été, tu as fait quelques conférences. J'en ai fait une. Tu en as fait une, OK. Ouais. Et là, tu reprends la même conférence pour... Oui. OK, parfait. Donc, parle-moi un petit peu de ton lien qu'il y a avec l'art de se choisir. L'art de se choisir est le titre de ma conférence. C'est ça. Oui. Dans la conférence, une question de perspective, je vais partager quelques histoires qui ont fait que les choses ont changé pour moi. Okay. Et puis, c'est vraiment une façon de voir des choses différemment. Des choses qui sont évidentes dans ma face, mais qui, dans une circonstance quelconque, m'ont fait faire des prises de conscience. Okay. Ou des moments un peu vraiment d'épiphanie, de faire « Oh, wow! » Tu sais? Pouf! Et ces histoires-là, je les partage avec les gens. Et ça a vraiment rapport avec la façon de voir les choses. Donc, parce que c'est ça, c'est une question de perspective. D'où le titre. Et comment je les amène à choisir, c'est qu'avec ces façons de voir certaines choses-là, je mets des choses en évidence qui nous appartiennent à tous, qui sont là pour nous tous. Et je fais comprendre aux gens avec ce message-là que c'est là pour eux que ça leur habite. Là, je vois que tu nous laisses sur un certain j'aime ça. Tu piques notre curiosité. Écoute, je suis enchantée et ça me donne vraiment le goût encore plus qu'avant de te parler, d'aller voir cette conférence-là. Et je suis certaine que ça ne fera pas la même chose là, avec les gens qui vont écouter cette petite entrevue parce que c'est déjà terminé. Je veux juste mentionner, par contre, que ta prochaine conférence aura lieu, attends un petit peu, il ne faut pas que je me trompe, le 7 septembre. Ouais. Et c'est à Châteauguay, au Centre culturel de Vanier, à 19h. J'ai juste procuré les billets sur le site L'art de se choisir. Et c'est au coût de 20$. Et tu seras accompagnée, oui, parce que c'est une conférence avec trois conférenciers. Oui, tout à fait. Avec Manon Lamotte, tu me reprends si j'ai tort, là, c'est et Véronique Bertillon, et l'animatrice José Bissonnette. Fait que, en tout cas, moi, c'est à peu près assuré que je vais aller faire un petit tour là pour aller voir ça. Et on se revoit aussi le 12, nous, parce que tu seras à Trois-Rivières également, le 12 septembre. Oui.
Et j'ai très hâte de partager avec les gens. Pardon? J'ai très hâte de partager avec les gens. On a hâte de te voir aussi. Et échanger avec eux. Merci. Je t'embrasse, puis je te dis beaucoup. J'ai hâte de te voir. Mais nous voir!